L'Ecclésiaste, chapitre 7. Bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans celle-là se trouve la fin de tout homme, et le vivant en prend conscience. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut écouter le reproche du sage qu'être homme à écouter la chanson des insensés. Comme les sarments crépitent sous la marmite, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression affole le sage, et les cadeaux font perdre le sens. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. Ne dis pas « D'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci » car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. La sagesse vaut mieux qu'un héritage et même davantage pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. J'ai vu tout cela pendant ma vaine existence. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te ruinerais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela, car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. La sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs qui sont dans une ville. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur reconnaît que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. J'ai prouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, j'aurai de la sagesse, mais elle reste loin de moi. Ce qui existe est loin, profond, profond, qui peut l'atteindre? J'en suis venu de tout mon cœur à connaître, à explorer et à chercher la sagesse et la raison, à connaître aussi la méchanceté, l'insanité, la folie et la démence. Or, j'ai trouvé plus amer que la mort la femme qui est un piège, dont le cœur est un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur deviendra sa capture. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses, une à une, pour en trouver la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvée. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des subtilités.